Les liens étroits entre art et territoire est visible dans les précieuses architectures qui apparaissent aux yeux des visiteurs dans un large éventail d'édifices, de styles et d'époques différents. Palestrina est la synthèse des architectures du XVIe et XVIIIe siècle. Il est caractérisé par un grand arc décoré avec palmettes et fleurs et par l'adjacent oratoire de San Michele, où on peut noter la précieuse statue de Saint Michel. Le portail de Palais Verris est en style rococo, sculpté au XVIIIe siècle avec grande élégance par les sculpteurs Emanuele Orfano de Alessano. En se promenant dans les centres historiques, on peut noter les soins et l'attention pour la protection et la valorisation du patrimoine culturel. C'est comme se plonger dans l'histoire et la tradition de la ville avec un fort appel à l'héritage grec. Arrivé à proximité de Place San Giorgio, on peut noter des bâtiments de la Renaissance, décorés avec élégance et expertise. Ces édifices étaient probablement dans l'Antiquité des magasins. Pendant des siècles, la place, située dans la périphérie du centre historique, a été le cœur battant de l'économie locale. Les caractéristiques arcades périmétriques encadrent la place. Elles sont un modèle d'architecture mercantile du XVIe siècle, rénové au cours des siècles. Sa construction a été voulue par l'humaniste local Niccolò Maiorano, dans le but d'héberger et organiser les activités des marchands qui animaient l'économie de la ville. Autrefois, les commerçants venaient de toute l'Italie, notamment de Naples, Bari et Lecce, pour la vente de différents types de tissus comme la soie et la laine. La façade de l'église mère, dédiée à Saint-Georges et datant du XVe siècle, domine les paysages. L'édifice a subi au cours des siècles de nombreuses modifications et changements. Elle représente une synthèse de styles artistiques différents, datant de la Renaissance jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Au centre d'une lunette située au sommet d'un portail du XVIe siècle, on peut voir les 100 chevaliers en train de combattre un dragon, symbole du mal. L'intérieur de l'église présente 3 nefs et des autels latéraux. Dans les décorations, on peut facilement noter les différentes rénovations qui remontent au XVIIIe siècle. À côté de l'église paroissiale, il y a la jolie église de l'Assomption, dédiée aux saints Rocco et Sébastien. La chapelle est ornée par les crassiers portails sculptés par le maître Placido Buffelli de Alessano,